stay near me though. This that shit for your stereo. Hit Louis Vuitton, here we go. Le Castres Olympique, fondé en 1906, régulièrement cité parmi les favoris dans la course au bouclier de Brennus, et régulièrement qualifié aussi pour les phases finales du championnat. Dernier Brennus soulevé, c'était en 1993. Et avec moi pour les commentaires ce soir, Thomas Lombard. Très belle condition de jeu ce soir, Thomas. Je suis entièrement d'accord, ce match promet d'être fantastique. La foule est impatiente que les choses débutent ici. L'ambiance commence à monter. Merci Eric. En effet, j'avoue que ce match promet d'être bon. Le décor est planté. C'est un match qui fait saliver. Il ne reste plus qu'à attendre que l'arbitre donne le coup d'envoi. Et le match commence. Coup d'envoi réceptionné. Il est amené au sol. Récupération du ballon. Les joueurs sont arrivés plus vite et ont réussi donc à récupérer le ballon. Il est passé. Le demi de mêlée est trop puissant, impossible à rafouter. Attention, énorme occasion d'essai. Et il inscrit leur premier essai de ce match. Et une remarquable contribution individuelle à cet essai. Quel essai fantastique. Il a été excellent. À suivre la transformation. Allez, on fait pas plus facile comme transformation. Transformation facile. Allez, bientôt la reprise. Coup d'envoi bien capté. Ses mains sont rudement efficaces, Eric. La possession du ballon reste indécise. Très bon jeu au pied. Avec du monde pour récupérer ce ballon. Il récupère le ballon après le rebond. C'est facile de faire tomber le ballon dans ce genre de situation, mais sincèrement, je n'ai jamais cru qu'il allait le laisser tomber. Wiyongi délivre la passe. Diarra fait une passe après contact. Ballon perdu. Regardez comment le ballon lui a échappé des mains. Mais d'après l'arbitre, ce serait vers l'arrière. Le deuxième ligne qui perce. Il casse le placage. Il plonge pour récupérer le ballon perdu. Le pilier droit ramasse le ballon. Qui va récupérer ce coup de pied à suivre? Il plonge sur ce ballon perdu. Rallye libère ce ballon. Voilà, bon dégagement pour respirer un peu. Il crochette. Échappe au plaquage. Percussion en puissance. Quelle percée! Quel tampon! Propulsé en touche. Roland, le capte. Roland, le capte impeccablement. Cocotte, la joue vers l'arrière. Thalès, avec une bonne passe, très précise. Casse ce premier plaquage. Belle passe après contact pour continuer le jeu. Ballon perdu, rapidement récupéré. La valeur sert à l'intérieur. Bon plaquage, il est mis au sol. Récupération possible ici. Ballon bien botté. Avec du monde à la poursuite de ce ballon. Il a récupéré le ballon perdu. Bon dégagement qui trouve la touche.
Et c'est une touche. Allez, bon travail en touche. Il l'amène au sol. Toujours en possession du ballon, je crois. Cocotte qui passe. Ah, c'est une jolie passe. Martial en puissance. Attention, ce ballon rendu au pied. Morical qui attaque la ligne. Il le met au sol. Release. Il va falloir qu'il lâche le ballon maintenant. Svania ramasse le ballon. Bien suivi ce ballon. Ouf, bon plaquage. Bon plaquage, il est mis au sol. Il devrait conserver ce ballon. Mal frappé ce ballon, direct en touche. À suivre, touche. Le numéro 5 s'empare de ce ballon. Il échappe au plaquage. Arrêt buffé. Il subit cet impact. Ballon récupéré. Leurs efforts sont bien récompensés. Il peut allonger sa foulée. Et le voilà finalement repris. Le ballon, il est là, on le voit. Bien, avec un bon refus. Et le ballon est perdu sur cet en avant. L'arbitre qui laisse l'avantage. Ouais, il a perdu lors du contact. Le plaquage était bon. La percussion. 3 sur la défense. Il est amené au sol. Là, ils ont peut-être récupéré le ballon. Duller qui passe. Un bon tampon. Encore quelques joueurs au soutien. Roland récupère ce ballon. Carré. Ah, le ballon, attention à lui. Release. Il doit le relâcher maintenant. Cocotte ramasse le ballon. 3 sur la défense. Release. Bon contest. Voilà, d'autres soutiens. Le demi de mêlée libère ce ballon. Tentative de drop de loin. Et tente le drop et ça passe entre les perches. Ouais, il avait l'air vraiment confiant, n'est-ce pas? Un geste efficace qui rapporte 3 points. 10-0 à la mi-temps. On va dire que c'est un match un peu brouillon pour l'instant, Thomas. Passons aux statistiques. Ils sont en tête en termes d'occupation du terrain. Je suis sûr qu'ils seront contents. Il y a un grand nombre de plaquages manqués ici. Ils vont devoir se pencher sur l'efficacité de leur plaquage en deuxième mi-temps. C'est un nombre trop élevé de fautes de main. Ils doivent régler tout ça et obtenir plus de maîtrise en deuxième mi-temps. Pas étonnant que ce match soit si passionnant. Nous allons voir comment vont se dérouler les 40 prochaines minutes. On attend maintenant que l'arbitre siffle la reprise du match. Coup d'envoi bien réceptionné. Et il est mis au sol. Bien joué la récupération. La récupération du ballon récompense leurs gros efforts. Plus personne pour le essai. Et il semblait simplement inarrêtable lors de cet essai. Un essai absolument fantastique. Il a l'air plutôt solide en réalité. De prendre 2 points supplémentaires. C'est un coup de pied très important. Les deux équipes sont au coude à coude. Coup de pied qui prend la direction des poteaux. C'était loin, mais c'est passé. 2 points de plus. C'est magnifique de voir ces équipes s'affronter comme ça, n'est-ce pas? Et en plus, c'est inspirant. Et le match qui reprend. Coup d'envoi récupéré. Passe envoyée à hauteur. Évite le premier plaquage. Bien plaqué ce coup-ci.
Et ils ont peut-être bien aussi récupéré le ballon. Cocotte libère ce ballon. Bonne accélération. Énorme tempo. Plaqué si près de la ligne. Il essaie de le récupérer au contest. Advantage. C'est clairement en avant. L'arbitre qui signale un avantage. On peut dire que c'est un en avant qui coûte cher. Roland récupère ce ballon. Il y est presque, c'est la ligne d'essai. C'est très très limite, mais le ballon n'a pas dû être aplati. Renvoi aux 22 mètres. Et il attrape le ballon au rebond. Malgré la release. Le ruck est formé, il doit relâcher le ballon. Henri Cocotte récupère ce ballon. Coup de pied direct en touche qui n'a pas rebondi sur l'aire de jeu. Lavala, le captain fait advantage. Ils ont vraiment été bons sur les coups jusqu'à présent. Ça fonctionne remarquablement. Première mêlée de cette partie. Touch. Set. Énorme impact. Et il est furieusement disputé. Le ballon est jouable maintenant. Repris par ce plaquage. Il devrait conserver ce ballon. Voilà, ballon ramassé. Il met la défense à l'épreuve. Blaise. Il doit le relâcher maintenant. Cocotte qui passe. Attention, il a des appuis. Ouf, bon placage. Ranier qui a un peu d'espace devant lui. Très belle accélération. C'est ça leur problème, ils sont incapables de couvrir au bon moment. Il va aller marquer. Et il plante son deuxième essai du match. Ils ont continué d'insister, l'essai devait finir par ouais, c'est un essai absolument fantastique. La communication est bonne, hein, ils fournissent un bon jeu. On va suivre cette transformation. C'est du caviar. Drapeau levé, deux points de plus. C'est le premier rideau, mais là il a été stoppé. Et on dirait bien que le ballon a changé de main. Arrêt buffé. Et maintenant, c'est un maul qui est formé. Il va falloir libérer le ballon. L'ailier gauche s'arrache avec le ballon. Il attaque la ligne. Il met les cannes. Ils ont peut-être perdu le ballon. Ils l'ont récupéré. Et ben voilà, il voulait récupérer le ballon, c'est chose faite. Magnifique dégagement. Ballon qui rebondit et qui sort en touche. Ils vont obtenir une touche. Ils sont très bons sur les touches, très précis. Ils ont beaucoup travaillé cet aspect du jeu. Très bon plaquage. Et ce sera une touche. Plus que quelques minutes avant la fin du match.
On approche de la fin du match. Roland, le cap. Belle touche, très propre. Cavalero récupère ce ballon. Tentative de drop d'assez loin. Il est bien positionné. Ça va repartir avec un renvoi 22. On est maintenant dans la dernière seconde de la partie. Renvoi au 22. Rebond favorable. Il récupère le ballon. Repris par ce plaquage. Tecori ramasse le ballon. Le demi de Miri. Il repousse le plaqueur sur le côté. Course stoppée net. L'arbitre lui fait signe de lâcher le ballon. Tecori qui passe. Henri Cocotte qui sprint. Au plaquage. Ils sont plus nombreux ici. Cabane récupère ce ballon. Il évite encore un plaquage. Bien plaqué ce coup-ci. Ils sont incroyablement dangereux. Chaque fois qu'ils ont le ballon, ils sont menaçants. Ils visent le poteau de coin. Occasion à quelques centimètres de la ligne d'essai. Et on dirait bien que le ballon a changé de main. Chargeur. Attention, il est plaqué juste devant sa ligne. Bon ballon de récupération. Belle récupération du ballon, c'est parfait. On est tout près de la ligne. Quelle mauvaise qualité de passe. Thales a fait une passe après contact. Cette action tout près de la ligne. Il s'est rapidement remis sur ses pieds pour contester le ballon. Porical ramasse et s'élance. On dirait que le ballon est passé sous la pression. Il se jette dessus. Quel dommage, grosse occasion de gâcher. Il s'est mis hors jeu juste au-delà de la ligne d'avantage. Allez, c'est bien, ils vont jouer la pénalité à la main. Ballon qui peut être récupéré. Au-delà de la ligne des 50. Et ce sera donc le score final. Une partie de rugby respectable. La perte de balle est le gros point noir de cette partie. Ils n'ont eu de cesse de se faire chipper les ballons. Il y a eu un nombre assez important de coups de pied dans ce match. C'était vraiment un combat de gagne-terrain à l'ancienne. Voilà, ce sera tout pour ce soir. À très vite, à la prochaine fois.